Là on va tout droit. Non. Oh, cet évitement mon gars. Oh. Oh. Oh, ce double évitement mon gars. Attends. Oh là là. Eh bien salut à toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, je suis excité de fou de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 en solo, en facecam, avec mon G27, mon volant, c'est incroyable. Aujourd'hui vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, vous savez ce qui nous attend. On va faire comme si on était sur Euro Truck Simulator, sauf que nous sommes sur GTA 5 avec un mode qui est incroyable et que je vous mettrai en description. Ce mode il est énorme, il simule ben, comme Euro Truck Simulator 2, c'est exceptionnel. Bon alors regardez, j'ai encore mon petit skin de Franklin en mode... En mode The Weeknd, si vous n'avez pas encore vu, écoutez ma parodie, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est juste ici, l'affiche apparaît en haut à gauche de l'écran, en haut à droite pardon de l'écran. Donc les amis, mon petit G27, on va faire du Euro Truck. Donc pour vous montrer un peu, regardez la map comment elle est magnifique. En gros ici, là où il y a les petits points rouges, c'est ici qu'il y aura plein de camions. Donc on va aller s'y rendre d'ailleurs, on va aller choisir un camion et ensuite on va pouvoir choisir n'importe quelle mission, des transports de bière, etc. Tous les petits garages orange que vous voyez, donc il y en a partout sur la map si vous regardez, c'est tous les lieux en fait où on peut tout simplement livrer nos cargaisons. Il y a des endroits où il y a de l'essence pour récupérer de l'essence, parce que c'est comme dans Euro Truck, on perd de l'essence. Il y a des endroits où on peut, comme ici la clé à molette, on peut réparer son camion. Il faut d'ailleurs respecter le code de la route et ne pas endommager son camion et sa cargaison, c'est comme sur Euro Truck. Et enfin on a des petits points de vie pour se restaurer à la santé si jamais on est dans le mal. Donc ça va être vraiment incroyable, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je découvre avec vous le mode, c'est vraiment vraiment cool. Donc attendez, je me mets en vue première personne, faut juste que je me réhabitue un petit peu au G27, parce que vous vous doutez bien que ça fait longtemps que j'ai pu rouler avec, que ce soit sur GTA ou Euro Truck. Enfin bref, ça va être assez incroyable, assez immersif je l'espère. Si cette vidéo vous plaît, eh ben n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu. Je mettrai donc en description le lien du mode, tout simplement pour le mode Euro Truck. Je vous mettrai également le mode qui permet d'avoir, de pouvoir jouer avec le G27 ou n'importe quel volant. Donc ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire deux courses. On va en faire une où on va vraiment respecter à fond. Et l'autre, on va rouler le plus vite possible. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, les amis, on va pouvoir choisir un camion. Celui qu'on veut. Voilà, hein, ça peut être assez sympa. Tiens, lequel on va prendre? Lequel on va prendre? Il y a des bus aussi. Post-op. Eh ben voilà, on va prendre... Non, non, j'ai vraiment envie de faire comme à la Euro Truck, genre avec un gros camion. Eh ben voilà! On va prendre ce camion, regardez. On va prendre ce camion-là, le camion citerne. On va prendre celui-là. Et vous allez voir, on va pouvoir... Alors bon, ce qui est assez incroyable, donc voilà. En bas à droite, ah vous voyez pas, attendez, bougez pas. Hop, en bas à droite, en fait, voilà, on a les contrôles. Donc d'ailleurs, je peux mettre mes clignotants, donc gauche et droite. D'ailleurs, on les voit pas sur le camion, si là on voit le clignotant droite. Là on voit le clignotant gauche. On voit le nombre de kilomètres qu'on parcourt, le fuel qui reste et la santé du camion. Ainsi que les kilomètres heure à laquelle on roule. Donc c'est en kilomètres heure du coup, hein. Donc ça c'est vraiment cool, on va pouvoir se baser comme en France. Puisque aux États-Unis c'est en miles par heure. Là c'est en kilomètres heure, donc c'est vraiment vraiment cool. Et donc là on va pouvoir choisir ce qu'on va livrer. Donc ce qui est assez fantastique, c'est qu'avec ce camion je pourrais livrer de la bière. Ce qui est débile, hein, parce que normalement tu peux pas faire ça. Donc attendez, trucks. Et là tu fais freight list, non tu fais add load. Donc là, ah bah voilà, de la concrete. En fait c'est bon. Ah, et bah en fait non, j'ai rien dit, je peux pas livrer de bière en fait. Je suis vraiment obligé de livrer de la concrete. Donc de la pierre, enfin du ciment quoi. Ah c'est trop bien. Donc je peux choisir mon lieu de départ, là pareil je suis bloqué. Et mon lieu d'arrivée par contre je peux le choisir. Là par contre je peux le choisir avec 3... Alors écoutez, c'est quoi, on va le livrer. On va le livrer à Mirror Park parce que c'est un petit coin sympa, d'accord. Donc là je fais add freight, ok. Et maintenant j'ai plus qu'à mettre 7 GPS. Et voilà, par contre le problème c'est qu'on doit se rendre à 5 km d'ici pour chercher la cargaison. Donc c'est réaliste, c'est juste ici, donc tout simplement là où il y a les travaux pour avoir le ciment. Donc c'est vraiment réaliste, ça a été super bien fait. On est dans notre camion les gars, c'est exceptionnel. Alors là, si je mets les clignotants, est-ce qu'on les voit? Non, on les voit pas sur le compteur évidemment, ça c'est plutôt dommage. Donc les amis, on va essayer de rouler le mieux que possible. Vraiment, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez kiffer.
Alors, on va rouler le plus RP possible, mais les clignotants, je pense qu'on va les oublier parce que, en vrai, ça sert à rien dans le sens qu'on les voit pas. Donc c'est pas non plus le truc très 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 important. J'alternerai entre vue FPS et vue à la troisième personne, c'est assez amusant. Enfin voilà, c'est trop trop cool. Donc là on voit, je suis à 60 km/h, c'est vraiment vraiment cool. Là va falloir faire un demi-tour. Va falloir faire un demi-tour les potes du futur. C'est énorme de rouler à GTA 5 comme ça, vraiment c'est une sensation incroyable. Alors là pour faire le demi-tour je vais, voilà, je vais me permettre. Oh, j'espère qu'on va me laisser passer, c'est bon, il y a personne. Impeccable. Ah, c'est cool. Donc là vraiment on va essayer de rouler le mieux que possible tranquillement. Oh wow. Oh, j'ai failli me prendre. Oh, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir le train. Il m'a fait peur, j'ai failli me le prendre. Donc comme dit, on va vraiment prendre notre temps. On va éviter d'endommager le véhicule. Et après on fera une deuxième course où on essaiera d'aller le plus vite possible, évidemment en faisant le moins de dégâts possible. Mais ce sera voilà un peu moins. Ce sera plus en mode. En mode fou furieux quoi. Tu vois, bon déjà hop, je m'engage un peu comme un petit fifou hein. Donc c'est parti. Alors là je sais pas à combien de kilomètres heure faut rouler. En plus les indications sur les panneaux c'est en miles par heure. Donc pour respecter ça va être assez, assez cocasse quoi. Donc là il faut qu'on aille tout droit. Donc je vais devoir rester derrière ce petit camion rouge. Voilà. Ah c'est vachement vachement cool. Je vous jure. Vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se calmer lui derrière. C'est vraiment, c'est, tu vois, genre GTA, franchement, GTA 5, c'est quand même le jeu, tu sais, qui est sorti en 2013 et que c'est absolument pas un jeu de simulation de conduite. Et déjà à l'époque, d'ailleurs, et pour ceux qui s'en rappellent, hein, j'avais fait une vidéo à l'époque, en 2014, j'avais 14 ans, c'était sur PS3, et j'avais fait une vidéo défi, genre respecter le code de la route sur GTA 5. On avait encore aucun mode à l'époque, je savais même pas que ça existait. Et voilà, donc ça me rappelle un petit peu ça, sauf que là, bah c'est... C'est plus abouti. Donc là, il va falloir que je prenne à droite. C'est pour ça que je me suis rabattu à droite. Oh là, oh là, pile pas net devant moi, toi. Donc ouais, on peut vraiment faire tout type de transport. Donc comme là, le camion qu'on vient de voir, là, en face de nous, on peut transporter du coca, de la bière, n'importe quoi. Donc on verra après. Là, on a un atelier de réparation de camion. Bon, là, en l'occurrence, il est vraiment bien. Faut que je surveille la jauge de fuel également, très important. Faut que je surveille la jauge de fuel. Là, je vous rappelle que j'ai encore aucune cargaison. Et ça, c'est un truc qui est stylé aussi. Ça, par contre, j'avais essayé parce que, évidemment, je n'allais pas faire cette vidéo sans essayer si le mode fonctionnait. Par contre, je vais quand même découvrir la majorité de tout ce qu'on va voir. Mais quand le camion est rempli, donc quand on a la cargaison, le camion, on sent qu'il a des réactions un peu plus différentes. Par contre, le feu est vert, les gars. Tu sens que le camion est plus lourd, tu sens que ça trempe derrière et que c'est pas la même... Ah, c'est pas la même maniabilité. Donc c'est vraiment vraiment trop trop cool. Voilà. Donc si ça vous intéresse ce genre de vidéo les amis, on pourra faire des vidéos délire hein. Là c'est plus une vidéo où voilà, on découvre le mode, on fait ça un petit peu sérieusement pour commencer. Après on, comme dit, on fera les cons. Mais si ça vous intéresse, pourquoi pas faire des trucs genre conduire un bus, conduire ouais, enfin conduire même une voiture, ce genre de choses tu vois. Là on peut se faire plaisir. Qu'est-ce qu'elle a levé les mains en l'air devant là, la madame, elle parle toute seule ou quoi? La madame elle parle toute seule devant. Ok, il nous reste 4 km. Bon, une fois qu'on sera sur les routes départementales, qu'on quittera la ville, je pense qu'on va pouvoir bombarder un petit peu. On va se le permettre parce que sinon ça va être un peu relou. On va encore croiser un train là? Non? Ah mais on a un feu rouge, j'avais pas vu le feu là-bas. Enfin voilà, et franchement trop 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 kiffant. Donc les amis, en plus c'est bien, ça me permet de faire une petite parenthèse pour ceux qui me suivent aussi sur Euro Truck Simulator. Si jamais vous me suivez pas, c'est pas grave, je fais quand même une parenthèse. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur Euro Truck. Pour ceux qui le savent, du coup j'aimerais investir du coup pour acheter un maximum de DLC avant de reprendre et de commencer une nouvelle aventure sur Euro Truck. Donc repartir à zéro, faire un nouveau profil, et c'est bientôt fini. Donc je dirais dans moins d'un mois, dans 1, 2, 3 semaines, je pourrais reprendre Euro Truck avec tous les DLC normalement si mes calculs financiers sont bons. Donc ce sera plutôt cool. Allez, on avance les gars, là le feu est vert hein. Ah ouais, attendez les gars, on est sur GTA donc on va pouvoir faire un truc sympa. Si jamais les mecs devant nous font chier, on a juste à klaxonner, comme ça ils vont bouger. Regardez, attendez, circule. Alors à moins qu'il me casse la gueule, mais voilà, et là il va accélérer, voilà. Et là, nous, on va pouvoir accélérer aussi. Vas-y, reste au vert, reste au vert, reste au vert. Parfait, l'outil double n'importe comment. Ah, je serais bien temps. Eh, les gars, vous savez quoi hein? Non, franchement, à quelques feux près, on arrive à l'autoroute. Hein. À quelques feux près, on arrive à l'autoroute. Donc, je vais pas commencer à faire le con. On fera les cons après, d'accord? Là, on va vraiment rester tranquille. En plus, là, on s'approche d'une station de police. Toi-même, tu sais, la SPDFR, on connaît.
Donc on va y aller tranquille. Et après, on fera les cons, les gars. Après, on fera les cons, les gars. Ah, j'ai dit on ferait les cons après, mais c'est pas grave. Allez, on se permet de doubler une voiture. Très réaliste, hein, ce qui vient de se passer. Oh, j'adore. J'adore. Il est quelle heure? 18h55. Écoutez, on va se permettre, les amis, un petit mode menu. Hein. On va mettre midi. Voilà, on va faire un petit Wither Extra Sunny. Bon, c'est bon, c'est déjà Extra Sunny. Regardez comme c'est beau, là, on est bien. On voit l'avion, l'avion en haut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un bouchon qui s'est créé. Ah ouais, d'accord, le bus était bloqué. On avance. Eh, ils sont longs à la détente, hein, les chauffeurs camions, là, aujourd'hui. Hein. Donc là, il va falloir que je prenne à gauche, et puis après, on va pouvoir prendre l'autoroute tranquillement. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Hein. Ça vous a saoulé aussi, moi aussi. Allez, on y va. On perd pas de temps. Voilà. Attends, on se remet en vue FPS. Personne à gauche, personne à droite. On s'engage. Bon, évidemment, je suis en camion, donc j'ai pas le choix de déborder un petit peu sur les voies des autres. C'est normal. C'est normal. Là, regardez, on regarde même pas. On y va les yeux fermés. Voilà. Bon, on m'a klaxonné dessus apparemment. Et voilà. Et là, par contre, on voit pas le feu. Attendez, je recule. Voilà. Comme ça. Mince. On verra quand le feu sera vert. Ah là là. C'est trop drôle. Ah non, il y a un SDF. Allez, c'est parti. On va pouvoir passer sur l'autoroute. Évidemment, en théorie, on est limité. Mais là, clairement, je me vois pas respecter le code de la route plus longtemps que ça. Donc déjà, je vais doubler. Pas du tout. Le camion qui vient de me faire une tête à queue, là. Connard. Du klaxon. Attendez, je vais faire un fuck. On peut pas faire ça sur Eurotruck. Attends. Voilà. Je vais le dépasser. Hé, hey, mec. Enfoiré. Ça, tu peux pas faire sur Eurotruck. C'est bien dommage. Attends, il est encore derrière. Allez, on va bombarder. Bon, je vais pas pouvoir aller bien vite, hein, de toute façon. Et ce sera encore pire avec le ciment. Là, faudrait que je sorte à droite, sérieux? Ah oui, pour après reprendre la... Ok. Allez, ça fait chier, ça. On va même pas pouvoir continuer longtemps sur l'autoroute. Ah là là, c'est fou. C'est fou. What? Mais non. Les gars? Pourquoi j'ai plus le... Et bah alors? Ah c'est bon, j'ai eu peur. Ah j'ai cru qu'en fait je prenais trop de temps et que du coup la mission était annulée. Ouais, regardez, je vais pas... Hep, laisse-moi passer toi. Voilà. Je grille les feux rouges. Là c'est parti, on va partir en mode taxi. D'ailleurs vous savez ce que j'aimerais faire? Vous me dites si vous êtes chaud, par contre là on va trop se péter des barres je pense. On va faire les missions taxi. Genre en mode taxi 3, tu vois, taxi 4. Genre en mode on va rouler, on va bombarder. Le but c'est d'amener les clients le plus vite possible. Et pareil avec le G27, donc genre vraiment on va bombarder. Ça va être le bordel, comme dans les films taxi quoi en fait, tu vois. Ça peut être sympa, dites-moi si ça peut vous intéresser. J'aimerais trop faire ça, si vous êtes chaud. Ce serait beaucoup trop drôle. Attendez, là on va faire un petit slalom là. Ouais, ça passe. Même pas ça à frôler. Attendez, on va faire pareil, je lâche pas l'accélérateur. Au calme. Tranquille. Allez, plus que 500 mètres et on est arrivé. Laisse-moi passer. Ça passe, tranquille. Là, on va super vite en plus. Juste faire gaffe à pas que je me retourne. Ça, j'essaie de faire des... Voilà, j'évite de faire des trop gros mouvements. Ok. Là, il faudrait que je prenne à droite ou ça. Ok, faut que je rentre dans ce... Ouais, en chantier quoi, dans le chantier. Hop. Là on va faire ça RP, tu sais, genre je vais y aller tranquille. Truck en transe, parfait. Ah, je découvre cet endroit, je le connaissais même pas les gars, tu vois, c'est pour vous dire. Salut collègue. J'ai une façon de dire bonjour aux gens. Voilà. Et donc là maintenant, tu fais ça. Le temps passe, tu te fais charger. Et normalement c'est bon. Là maintenant j'ai été chargé, genre bon on est sur GTA évidemment, donc on voit pas d'animation quoi. Et donc là maintenant... Voilà, maintenant direction direction ici, donc là où j'avais dit... Ah ouais, ça ressemble à Nuketown là-bas. Donc c'est trop sympa, on va y aller. Écoutez, on va pas faire demi-tour, enfin on va passer par le petit chemin là. Et là les gars, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller dardard. Hein. On a du ciment dans le camion, enfin dans la remorque, on va faire gaffe. Mais on va y aller dardard, on va rouler comme des cingouins en évitant de péter le camion et la cargaison.
Sachant que la cargaison maintenant est beaucoup plus lourde. Là, le but, c'est vraiment de pas péter le camion. C'est bon, j'y vais. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Ouais, là, déjà, le camion, il peine un petit peu plus à accélérer. Hein. Oh là là. Là, il peine un petit peu plus à accélérer, mais tranquille. Voilà, tu vois, je klaxonne comme ça, il trace. Pas mal. Pas mal, bonne technique. Ah ouais, non, là, il trace plus, là. Vas-y, je double par un endroit, je m'en fous. Ça passe. Ça passe. Ça passe crème. On a même pas les rétros, d'ailleurs, du coup. On peut même pas checker dans les rétros. Mais ça passe. Ça passe crème. Laissez-moi passer. C'est la merde, c'est la merde. Merci. Là, je suis à 100 km/h. On dirait pas, hein. On dirait pas que je suis à 100 km/h, là. Hein. On a l'impression que je suis à 50. Bon, peut-être pas, quand même. Ok, tranquille. Au niveau du fuel, ça passe, en vrai. Hein. On aura fini la mission sans avoir à faire le plein. Tranquille. Là, on va tout droit. Non! Oh! Cet évitement, mon gars! Oh! Oh! Oh, ce double évitement, mon gars! Attends. Oh là là! Ok, bon, là, je fais un peu nimp, mais. Oh là là! Eh, vous avez vu? Franchement. Franchement, c'était stylé ce qui vient de se passer, là. Ah, tu vois que j'ai l'habitude de faire ça dans la vraie vie. Hein. Là, petit dérapage, attention. Oh merde, putain, et voilà. Donc là, vous voyez en bas à gauche, load damage plus 1%. Donc je viens de perdre 1% de... Et puis vous voyez en bas à droite aussi la santé du camion, là je me suis fait avoir. Ah dommage, j'avais réussi tout un slalom et là je me suis fait avoir. Ah, fais chier. Fais chier. Avance. Le feu est vert. Ah, t'es daltonien à mon avis. Allez. Ah, il s'en fout, hein. Voilà. Au final, il est quand même passé au vert, tu vois. J'ai mis la pression, mais il est quand même passé au vert. Ah là là. Tiens, ici, c'est ici qu'on a eu une course à pied dans le dernier épisode de l'SPDFR que j'ai fait. Incroyable. Allez, on y va. On a encore quelques mètres, on est arrivé. Le waypoint, il s'est enlevé, mais je me rappelle où c'est. Donc, c'est bon. Donc, ouais, normalement, on peut conduire des bus aussi. Donc, ça, c'est sympa. Oh, j'ai tapé, mais c'est bon, j'ai pas abîmé visiblement. Donc là, faut que je prenne à gauche. Oh là là, cette maîtrise. On double. On prend à droite. Oh là, ça passe pas. Voilà, merci madame hein, pour m'avoir pas aidé. Hein. Voilà. Et ensuite, ce sera à gauche, tranquille ou pilou. Et on a fait 9 km 25 là de parcouru. Bah, madame, traversez pas. Ah oui, bah, il faut pas traverser. On traverse sur les passages piétons, madame. Hein? Voilà, on est arrivé. Ah ouais, du coup, c'est pour justement construire des maisons ici, tu vois. C'est super bien fait. Hein. Franchement, c'est super bien fait. Donc là, on est arrivé. Non, comme ça. Et du coup, voilà, j'ai gagné 1040$ en plus. Voilà, on a fait 3 km 47. Concrete delivered, voilà. Et ça, c'est cool. Et du coup, je peux même demander ici, directement, une nouvelle cargaison de ciment. Get trailer. Ah, ils en ont pas. Ils en ont pas, tu vois. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va retourner là-bas. Alors ce qui est relou en fait, parce que ça me fait chier, c'est qu'on va se TP. Hein. On va pas se casser la tête les amis, hein. On est sur un jeu modé, donc on va en profiter. Hein. On va se TP directement là-bas. Hop, calme-toi Franklin, calme-toi. On va remettre, voilà, midi. On va se prendre un nouveau camion, voir qu'est-ce qu'ils ont. Et ben voilà, du coca. C'est pas mal ça. Non, c'est de l'alcool, c'est de la liqueur. Vas-y, on va conduire de la liqueur, c'est bien ça. Donc là, truck, add load. Voilà, donc soit je peux prendre de la bière. Ça peut être sympa, de la bière. Sinon, il y a des fodder, je sais pas ce que c'est. Du poisson frais. En fait, tout ce qui est frit. En fait, c'est un frigo, en fait, non? Je sais pas, je m'y connais pas. Ah non, il y a aussi de l'huile moteur, des éléments métaux, de la peinture. Mais ça n'a pas vraiment de sens, étant donné que là, il y a un truc de liqueur. Donc ce qu'on va faire, on va prendre de la bière. On va pas se prendre la tête. On va livrer de la bière. On peut choisir... Ok, donc on peut que choisir bah, la brasserie de Brewery, donc Peace Wasser Brewery, Los Santos, la brasserie de Los Santos. Destination, là on peut choisir, on a un large choix. Hein. Et du coup, je vous propose dans la ville, Rockford Plaza, voilà. On va faire ça, Rockford Plaza. Et là, pourcent of load space. En gros, tu peux augmenter le pourcentage d'espace. Du coup, normalement, si j'ai bien compris, plus t'en mets... Et plus il y aura de la bière. Et donc plus la cargaison sera lourde et ça va être le bordel. Je suis pas sûr, peut-être j'ai pas compris. Donc c'est quoi, je vais mettre 10. On va faire OK. Et maintenant il n'y a plus qu'à demander au waypoint
Voilà, c'est 1 km. On est parti, les amis. Il faut que j'enclenche la première, évidemment. Et on est parti, tranquillou bilou. Voilà, avec notre petit petit camion. Pardon, excusez-moi, je voulais pas crier, mais j'ai failli me manger le... Donc c'est parti. C'est parti, là on reprend le même chemin pour la sortie, par contre. Et du coup, ben... Bah... Là, par contre, on va tracer. Là, les gars, on va tracer. On va faire comme taxi. Ah ouais, c'est quand même plus agréable de rouler. On est déjà à 100 km/h, là, c'est incroyable. Là, par contre, on va pas faire les cons. Ouh, ça a failli... Oh, je viens d'esquiver un camion sans le faire exprès. Là, le demi-tour, il va être un peu relou. Ça passe. Merci, les gars, pour votre courtoisie. Comme d'hab, eh, y a toujours le même train qui passe au même moment. Hein. Franchement, GTA 5, c'est tellement bien scripté. Voilà, là, on va vite s'engager à gauche. J'en ai rien à faire, c'est moi qui passe. Ah, il est pas content, le camion. Il m'a klaxonné dessus, là. On se remet en vue première personne. Et du coup, on est bientôt arrivé. Vas-y, je vais le doubler par la droite. Manœuvre très dangereuse. Ah, putain. Ah, je me suis fait avoir. Bon, ça m'a pas... Visiblement, c'est que quand t'as de la cargaison que ça te fait des pénalités. Genre là, on s'en fout. J'ai un peu abîmé le camion, mais visiblement, c'est pas trop grave. What ? Moi, je me suis fait accrocher, par contre. Je sais pas par quoi. Voilà, là, il faudra prendre à gauche. Et du coup, on arrivera. Et c'est bien parce qu'on découvre et tout, parce que du coup, je savais pas qu'il y avait une brasserie. Enfin, je savais pas qu'elle était là. Donc ça permet également, d'ailleurs, avec ce mode, de découvrir un peu encore mieux la ville de Los Santos, quoi. Autant je la connais par cœur, autant je savais pas que là il y avait une brasserie, quoi. C'est là ? Ah ouais ! Ça me fait vraiment penser dans... Bah chez moi en Alsace, la brasserie Météor. C'est le même délire. Mais ouais, c'est exactement... Ouais, je découvre, hein, je découvre c'est quoi une brasserie, les gars. Ok, allez, let's go. Le temps passe. On est cargonné, je ne sais pas si ça se dit, on est bon. Hop, 7 GPS. C'est à 2 km du coup. Je vais juste regarder où c'est exactement, ouais, c'est là-haut. Oh, ça va être sympa. Il y aura une manœuvre à faire, je pense. Ok, du coup, c'est quoi? Ah non, on peut pas sortir la tête. Je me suis cru dans Euro Truck, les gars. Donc, pas le choix pour la manœuvre du demi-tour. Va falloir faire ça en vue extérieure. C'est quand même plus facile à manœuvrer sur GTA que sur Euro Truck, évidemment. Voilà. Alors là, par contre... ouais, si, je vais passer par la droite. C'est parti, mon kiki. Ah, c'est sympathique. Vas-y, je vais enregistrer un peu, là. Le feu est vert, on en profite, on fait genre qu'on respecte alors qu'on respecte rien. Oh merde! Oh, j'ai pas anticipé. J'ai pas anticipé. Pardon. J'ai pas eu de pénalité, c'est un truc de fou. Mon camion, il est complètement pété. Mon camion, il est complètement pété. Excellent. Allez, lui, il va évidemment... Non mais là... Non, non, là... Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ah, et en plus, il veut me casser la gueule. Et en plus, il veut me casser la gueule. Alors attendez, ça on peut pas faire sur Euro Truck. Donc à un moment donné, je suis chauffeur camion, donc hop, dans ta gueule. T'en veux une autre? Hop, dans ta gueule. T'en veux une autre? Allez, tu vas pas commencer à me péter les coucouilles. Voilà, reste par terre. Moi, j'ai du boulot. Là, je suis occupé. Allez, on y retourne. Merde, attends, il m'a pas détecté le. Voilà, on y retourne. À 2 km de route, moi je suis à cran, je roule beaucoup, alors venez pas m'emmerder. Allez, let's go. Ah mais vous avez vu comment il m'a fait une tête à queue, n'empêche. Alors là, je roule à une vitesse assez assez raisonnable. Ok, bon là j'ai perdu des dommages. Hein. Je roule n'importe comment. Continue par là. Ok. Alors je pourrais... Ah ouais, donc en fait du coup je peux réparer le camion, hein, aux clés à molette si je veux. Évidemment, ça me coûtera de l'argent. Donc je pourrais le faire. Je sais pas si c'est vraiment utile. Ah par contre, je perds le contrôle très rapidement. Hein. Ça, c'est assez marrant. Ok, c'est réglé. Ok, tranquille. Tranquille, tranquille. On va tenter une manœuvre de dépassement assez cocasse, très bien. Là, faut aller à droite, on va faire un dérapage du turfu, les gars. Pas du tout. C'était naze. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Reste chez toi. Reste chez toi. Tout va bien se passer, mon ami. Là, évidemment. Ah ouais, bah là, j'ai fait n'importe quoi. Vous allez m'en vouloir, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne m'en voulez quand même pas, les gars. Bon, bref. Et franchement, je
suis grave excité à l'idée de faire en mode taxi ça. Ça peut être trop bien. Dites-vous, quand j'avais 14 ans, en 2014, une de mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, c'était genre respecter le code de la route et faire des missions taxi quoi. Qu'est-ce que tu me rentres dedans? Mais gros, reste sur ta voie là par contre. Et en plus, il veut me casser la gueule. Mais c'est un sketch ce truc. Casse-toi. Ok. Je vais t'apprendre comment ça marche la vie. Et me traite pas de raciste après. Hein. Voilà. Casse-toi. J'ai utilisé exprès mon taser, hein, parce que je suis toujours à la base policier, hein, à mes heures perdues. Alors maintenant, il faudrait que je recule. Je peux pas reculer. Non mais il y en a encore un qui cherche la merde. Non mais c'est pas possible. Mais vous pouvez me laisser travailler. Mais t'as pas vu que j'ai tasé ton collègue? Oh. Voilà, et puis maintenant j'ai les flics au cul. Et ben voilà, et ben voilà. Moi, j'ai une mission à finir. Ah, je suis bloqué. Attendez, c'est bon. C'est bon les gars, je vais faire demi-tour. Je vais finir ma mission, police ou pas, je m'en fous. Je vais finir ma mission. Voilà. Et là, bon là j'ai complètement endommagé le truc. Voilà, j'ai réussi. Ça, c'est fait. Et maintenant les amis, il faut que je me casse parce que j'ai les flics au cul. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Alors attendez. Non, je vais pas conduire une moto avec le volant, ça va être la merde. Je vais conduire ça. Allez, salut amigo. Ciao ciao. Et ben voilà. Bon là du coup on va essayer d'échapper aux flics. Ah, j'ai encore les véhicules modés, stylé. Stylé, stylé. Vas-y, on va échapper aux flics là en mode ambulance. Ok, ça va être assez compliqué. Voilà. J'ai les flics devant évidemment. C'est pas grave, c'est pas grave. On va leur passer devant, on va leur passer devant. Au pire, peut-être qu'ils vont tourner à gauche. Évidemment. Évidemment, ils vont attendre juste. Voilà, ils tournent à droite, c'était évident. C'est pas moi! C'est pas moi, c'est... Vous vous trompez. Arrêtez. Voilà, j'en profite pour écraser des... Ah, laissez-moi! Ah, il me donne de la vitesse, c'est sympa ça. Ça, c'est sympa. Ah! Oh! Évitement du turfu. On va prendre à droite, on va prendre à droite. Circuler. Attendez, je vais mettre mes sirènes, c'est quoi? C'est comme ça, les gens, ils vont se pousser. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement m'expliquer? Ah! Ah, voilà, d'accord. Ah! Ah, voilà, bon. Bah, si ça a quitté inopinément, alors je n'y peux rien. Bon, les amis, c'est pas grave, écoutez. Hop, je mets ma cam en grand. Hop, tac, voilà, c'est totalement improvisé. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a enjoyé, les amis. Si c'est le cas, eh ben, encore une fois, je vous le demande, un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et si ça vous intéresse, d'autres vidéos dans le genre, voilà, taxi, bus, peut-être. Voilà, ou des vidéos délire comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, fait plaisir. Je peux maintenant tourner le volant comme je veux, étant donné que je suis sur mon bureau. Donc voilà, il se passe rien, c'est incroyable. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. Des bisous, ciao ciao tout le monde.